Eh bien, bonne route surtout, là j'insiste bien, soyez prudents. Allez, on y va, c'est parti! Have a safe trip, everybody! Ça marche même bien là. Il s'agit d'essayer de faire sécher des chaussettes car nous n'avons plus de chaussettes et on peut les laver à la main, mais ensuite il faut trouver le moyen de les faire sécher. D'accord. Voilà, donc nous avons trouvé un nouveau sèche-linge. Donc on arrive à faire le tour de la tente à peu près. Ah oui, j'avais pas vu. Je vais essayer de faire le point sur la petite fleur blanche devant et un peu plus flou derrière. Mais il faudrait que ça dégage de la masse d'herbe devant, mais c'est un peu difficile. Elle est trop fondue dans la forêt, ouais. Je trouve. Mais c'est pas mal. Pas de vent du tout, donc c'est vrai que les petits lacs c'était des vrais miroirs et on voyait tout se refléter. Il y avait le soleil qui se couchait vraiment à l'horizon, donc ça,
il donnait de la lumière sur le haut des arbres, ça tout se reflétait dans l'eau. C'était vraiment magique. Et un calme, les oiseaux se sont tus, c'était vraiment un calme phénoménal. Et peut-être 5 minutes avant que le soleil se relève à l'horizon, ouais, là, vers 3h, 3h05. Ouais, ils ont commencé à piailler. Et juste après, on a eu le premier rayon du soleil. Et là, c'était. Et là, elle sautait partout. C'est une gamine, hein. C'est à cet âge-là. C'est mieux, non ? C'est plus tendu. Les schtroumpfettes ? Oui, chef ! Oui, chef ! Prof, on s'est reconnu, hein. Ouais, on s'est reconnu. C'est ça qui me fait peur, c'est qu'on s'est reconnu. Non, mais j'ai des toasts, c'est câble et tout. On va le rentrer. C'est pas drôle quand même. Elle va sécher, elle va gonfler. Les arbres ne poussent pas ici. Arrivé à 2m53 mètres. This river has a joy, and it describes when the water is flowing. It starts close to the Norwegian border and it ends out in the Baltic Sea. And this joke about the Uman River goes like this. Stvarra upp min noja no ja stvarra upp min noja chatse da gokalaka no bien planté. Ici, là. Ça fait une heure qu'on tourne ici. Ah. Et je t'assure, une heure. Voilà, tout le monde est passé déjà. Oh. Oh, elle est super précieuse. Bah oui, elle est là depuis un moment, Fanny, regarde. Oh, oui. Just visit Scandinavia and Finland. But very, very slow. We stop. We looking. We look. Take pictures. Where the strawberries come from? For example. Taste, please. No. Taste, please. Sure. Yeah. Okay. Take a very red one. It's good. On garde en mémoire les thèmes et on fait quand même les photos en rapport avec les thèmes, mais certains thèmes ne sont pas forcément faciles à trouver en fait. C'est le plus dur ça. Par exemple alors.
Je dirais que c'est les Finlandais dans la nature, là, le thème de l'office de tourisme est très, très complexe parce que moi j'étais vraiment partie sur l'idée du rapport entre les Finlandais et la nature. Et donc pas forcément avec un humain dessus, donc uniquement par de la symbolique. Et ouais. Finalement, j'ai lu dans le roadbook qu'il fallait quand même un bonhomme dedans. Donc ça a été un peu plus compliqué que prévu. The traffic to be cleaner, and yet we want people to be able to maintain the joy of movement, so that they can go and see their friends, they can go to work, they can go and take their kids to the kindergarten, or they can take a holiday trip, and not feel bad conscious about that, but rather enjoy the way that they can move and know at the same time that they're not destroying this world. That's what Neste Oil wants.